Vous avez élaboré la trame de votre histoire grâce à l'étape de scénarisation. Dans la frise supérieure, cliquez sur l'icône du stylo pour écrire votre histoire. Vous entrez dans la phase d'écriture. À gauche, vous disposez d'un plan qui reprend les grandes étapes de votre scénario que vous pouvez compléter ou modifier au fil de votre rédaction. Par exemple, vous pouvez saisir le titre de votre livre. Vous pouvez aussi donner un sous-titre au chapitre. Vous pouvez encore nommer des scènes, en ajouter ou en supprimer. Sur la page principale, vous pouvez d'abord modifier le sous-titre. Et ensuite, commencez à écrire votre histoire en vous inspirant de l'image sélectionnée lors de la scénarisation. Vous disposez d'un correcteur orthographique et d'un compteur de mots. N'oubliez pas d'enregistrer. Vous rédigez votre récit sans vous préoccuper de la mise en page à cette étape, mais à tout moment, vous pouvez visualiser la mise en page de votre histoire en cliquant sur l'icône du livre ouvert. Si vous souhaitez faire une pause et reprendre plus tard l'écriture de votre histoire, il suffira de cliquer à nouveau sur l'image de votre projet pour ouvrir le menu et choisir « Écrire ».